vous abonner quand on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Donc il est pas tard. Non, il est pas tard. Il est pas tard. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour une vidéo très 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 spéciale. Donc pour ceux qui se demandent comment je vais. Alors, je vais vous expliquer un tout petit truc. Demain, je dois aller aux urgences parce que j'ai. C'est pour ça que je me tiens un peu comme ça et que je fais comme ça parce que j'ai eu mal au ventre. Parce que j'ai le l'appendicite. Un appendicite, c'est. Donc, la vidéo qui tourne là, elle sera sortie après la vidéo d'urgence. Parce qu'en fait, aux urgences. On a demandé à ce que on fasse des petites vidéos déjà pour ma famille, pour leur montrer. Et au bloc, quand vous avez vu la fin, là, quand je me fais opérer et qu'ils me retirent le boyau, ça c'était une infirmière qui l'a fait, donc je l'ai remerciée. Donc comme je vous ai dit, on a demandé à l'infirmière que quand ils vont me retirer le boyau, de l'hôpital, à l'hôpital, qu'elle me filme l'infirmière, donc ça je la remercie, il n'y a pas de souci, elle m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Donc après, elle m'a autorisé à me filmer mon bras une fois, parce qu'en fait, on fait une piqûre, et après on enlève le boyau et tout, ça il n'y a pas de souci. Donc j'ai peur, même s'ils vont m'endormir, j'ai peur. Et la vidéo urgence, normalement. Donc ce que je vous parle est sorti juste avant cette vidéo à mon avis. Parce que moi là, je fais cette vidéo, mais je suis pas encore allée aux urgences. J'y vais demain. Mais la vidéo sort aujourd'hui quoi. Donc voilà, donc c'est un peu spécial. Donc moi là, je vais un peu mal, mais demain je vais aux urgences. Voilà. Donc comme vous l'avez vu au titre. Et ben c'est une vidéo très spéciale parce que en fait mon frère il a pris la caméra, celle-là, il a mis le mode infrarouge. Vous savez quand la caméra il fait noir et tout, et puis on voit quand même la personne. Là où il m'a filmé, où il m'a fait un prank de me filmer, j'avais de la merde au cul. Donc du coup, quand je me suis grattée, parce que ça m'a grattée, j'ai mangé mon caca. Et du coup, lui, il m'a fait un prank, il a fait la caméra. Donc il l'avait posé là, mais moi, un objet noir comme ça, dans le noir, moi je suis désolée, je le vois pas. Voilà, donc il est monté en discrétion dans mon lit, et puis il a posé, et puis il a cliqué sur OK, en mettant le mode infrarouge. Donc le mode infrarouge sur cette caméra, c'est comme s'il y avait de la lumière. Donc c'est pour ça que vous allez bien voir. Donc je vous explique un peu le concept. Il a, dans le prank, il a pris, parce que en fait tous les soirs, je sais pas, mais ça va faire partie de l'opération, ils vont me faire une piqûre aux fesses aussi. Tous les soirs, au niveau de la fesse droite, ça me gratte. Donc je me gratte. Et puis là, sur mon pouce, il m'a mis puis d'habitude moi je suce pas mon pouce, enfin ça dépend des fois, puis je dors et tout, et puis d'habitude quand j'arrive pas très très bien à dormir, quand j'ouvre un peu les yeux comme ça et tout d'habitude ça m'endort quand je suce mon pouce, puis là je me gratte, puis après, et puis il m'avait mis de la pâte comme ça. Et regardez, je vais vous la montrer. Il m'avait mis ça sur le doigt. Et il avait mis, je sais pas, il a dû acheter un spray caca, goût caca. Donc un spray qui sent, mais c'est pire que les chats, pire que les chiens. Donc il en a mis un peu. Et puis après, quand je l'ai mangé, moi ça avait le goût de caca. Mais après quand j'ai dit, ça pue mais c'est bon. Parce que l'odeur, elle s'était évacuée.
Et en fait, ça, c'est de la crème de spéculoos. Donc, il y a juste le spray qui a fait que c'était goût caca. Mais bon, au pire, je vous laisse pour le prendre. Comme je voulais vous dire, n'avancez pas de 10 secondes. Faites pas, bon, allez, moi, je vais voir le prendre. Non, non. Et même quand je dors excellent, vous faites pas ça. Parce que ça arrive vite. Il y a vite des trucs qui vont arriver. Et je tiens à vous dire, mettez votre son à fond. À fond, à fond. Sinon, vous allez entendre tout, sauf moi qui va parler. Parce que j'ai fait un test et en fait, quand moi je parle, ben, le son, il est. Non. Non, il est. Vous m'entendez pas. Donc, mettez bien votre son à fond et puis on se dit à tout de suite après le prank. Salut! Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ce petit prank que mon frère m'a fait, il est bien, qu'il vous a plu. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, il est marqué prank, mon frère m'a pranké. Mais en fait, c'est mon frère qui m'a pranké à moi. Voilà. Il n'y a rien de plus simple. Donc, voilà, donc c'est la fin. J'espère que le petit prank vous a plu. J'ai voulu la poster quand même pour lui faire plaisir. Donc, il veut pas se montrer parce que il est dans sa chambre qui est juste en haut. Moi, je l'ai rejoint, mais j'ai dit, bon, allez, je vais mettre en ligne ta vidéo. Et puis voilà. Allez, on s'est dit demain. Et puis demain, je vous mets la vidéo des urgences.
Même si elle est déjà sortie. Bon, demain, la vidéo des urgences sera sortie avant cette vidéo. La vidéo des urgences va sortir demain. Pour vous, il y a tout à l'heure. Et pour moi, demain. Donc, demain, ben, je posterai la vidéo des urgences. Et pour vous, c'était il n'y a même pas 2 minutes. Et puis, voilà. Et puis après, je posterai celle-là. Donc, pour vous, il n'y avait même pas 10 minutes pour la vidéo des urgences. Donc, j'espère que vous avez mis des petits likes. Je rajouterai un petit commentaire dessus, hein, pour que vous m'encouragez. Voilà. Donc, vous aurez d'autres vidéos d'urgence. Là, comment ça se passe et de prendre de mes nouvelles. Ben, après. Voilà. Donc, on se dit ciao!